Cameroun, berceau de nos ancêtres. 1, 2, 3, et chant. Good morning, and I want to welcome you in the name of Integration Sociale Active. J'ai Isa Cameroun débarque à Antibomari avec une première formation. Voilà, elle était intitulée Stopper l'immigration illégale et saisir les opportunités. Ces opportunités-là, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont suivi cette formation, je peux vous dire que ces opportunités-là, ou alors que cette formation nous a vraiment, vraiment édifiés dans le cadre de saisir les opportunités. Parce que nous sommes. Cette formation consistait à nous apprendre à produire des fruits et des légumes, mais aussi à les conserver. Notamment le séchage. Beaucoup ne savent pas que ici à Tibombari, nous avons un grand séchoir voilà, qui nous permet de sécher les fruits, les légumes et tout ce que ça comporte. Tout le temps, on parlait de ça à la radio. Donc, un peu comme pour dire que jusqu'à présent, parce que nous sommes dans une zone agricole, parce que l'agriculture est notre première activité, juste pour tirer l'oreille à celles ou ceux qui n'ont pas toujours compris qu'on peut transformer nos produits sur place. Donc, si certains sont intéressés dans le domaine de la transformation, surtout en séchage, eh bien, vous savez désormais à qui vous adressez parce que cette machine est là avec tout son nécessaire. Il manque juste des gens pour l'utiliser. Voilà. L'ONG Isa Cameroun va dans l'éducation, l'ONG Cameroun va dans le social, comme vous pouvez voir. Donc, j'espère que ça mérite quand même un peu d'applaudissements, non? Et derrière moi, vous voyez les fondateurs de cette ONG, les gens qui œuvrent, ils sont loin de chez nous, mais ce sont nos frères et ils pensent à nous bien qu'ils soient loin. Alors, Monsieur Cyril Nouvel-Aubin, à qui nous disons et nous dirons éternellement merci pour tout ce qu'il fait pour notre pays et surtout notre village à travers le monde. Monsieur Nouvel-Cyril. Bonsoir tout le monde. Et Isa Cameroun, en ce moment, vous connaissez tous l'instabilité de notre pays. Et vous savez que Tibombari est une terre d'accueil pour nos frères du Noso. Alors Tibombari accueille nous qui sommes sur place, nous les accueillons du meilleur que nous pouvons. Et eux qui sont à l'extérieur, ils nous envoient les moyens de les entretenir pour que règne cette cohésion sociale-là. C'est pour ça que parmi nous, il y a les déplacés et nous avons mis un accent particulier sur ces déplacés aujourd'hui. Vous constaterez que la majorité, les 90% des enfants ici, sont ces enfants déplacés internes. La machine à coudre ici. Donc... Thank you.
Basico.